Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. J'aime bien la nuit, j'aime bien le calme. Et j'aime bien rester la nuit à côté des arbres parce que voilà, plus on s'éloigne des gens, plus on est bien, subhanallah. À moins qu'il y a des gens qui sont bien, mais bon, c'est rare. Je voulais partager avec vous une nouvelle technique. D'accord, ça fait un moment que je voulais le partager, mais elle est très bien. Donc il faut comprendre que la plus grande énergie positive dans le monde, okay, le plus grand taux vibratoire, c'est le taux vibratoire du cœur. D'accord? Par l'expérience, par la religion, partout. Donc c'est l'amour d'Allah et la connexion avec Allah. Ça rapporte la plus grande énergie positive, bien sûr. C'est pas n'importe quel musulman qui peut avoir cette énergie, il faut que ce soit vraiment une relation de confiance et que tu as une bonne chose, tu connais bonne chose, tu prends beaucoup de choses sur Allah. Ceux qui pensent que Allah est puni et ceux qui pensent que Allah, il m'épreuve pour me purifier, et ces mots qu'il répète à chaque fois, que je suis maudite, que voilà, Allah, s'il veut que je reste malade, je resterai malade. S'il va me guérir, il peut me guérir, tout ça, c'est que les gens, ils connaissent pas Allah. Ils n'ont pas confiance. D'accord? Donc, avec cette technique thérapeutique de respiration, on va récolter le maximum d'amour de Allah. On va le rentrer dans le corps. Ok? Et on va expulser le maximum de mal. Le mal, c'est fait par qui? Par deux choses. Le mal fait par les gens et par le djinn. Par les gens et par le djinn. Donc on va faire comme suit, faites avec moi, d'accord? Vous aspirez avec le nez, vous remplissez la poitrine le maximum, vous expirez avec la bouche, ça c'est technique. N'importe qui peut le faire, ça c'est connu, d'accord? Ça s'appelle la tanaffus tafriri, d'accord? La respiration thérapeutique, comme vous voulez appeler. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à Allah. Avec quoi? Quand on dit Allah, on dit l'amour, d'accord? On va se connecter à l'amour d'Allah. Ça veut dire qu'on va aspirer l'amour d'Allah. C'est comme si on est en train d'aspirer une très grosse lumière, des sentiments très doux, ce que vous voulez comme couleur, comme... je sais pas moi, l'essence, odeur, tout ce que vous pouvez ressentir. Donc imaginez un grand bonheur d'Allah qui rentre par la respiration, par le nez. D'accord? Bien sûr, on aura le nez, mais plus surprenant que ça, que je veux que cette respiration s'accompagne avec une réception totale du corps. Votre corps, votre âme. Donc on dit corps, je dis âme. Oubliez que vous êtes voilà, quelque chose de physique, quoi. Ça, c'est carcasse. On a une âme invisible. D'accord? Donc, cette âme qu'Allah a soufflée, pour nous créer, Allah a soufflé en nous pour nous créer. D'accord? Va sentir et récupérer le maximum d'amour d'Allah, le maximum de douceur. Vous pouvez lire les noms d'Allah et vous aspirez. Bismillah. Et je te dis, comme ça, regardez. Bismillah. Je rentre l'amour d'Allah. Tu laisses un petit peu. Après, tu fais comme ça. Je sors les problèmes des gens. Encore. Je rentre l'amour d'Allah, la beauté d'Allah, la miséricorde d'Allah, tout ce que vous voulez. Je sors le mal des gens. D'accord? Vous faites comme ça. Vous pouvez dire, je sors le problème de ma mère. Je sors le problème de mon enfance, je sors le décès de mon père, je sors le waswas du djinn, je sors la sorcellerie de mon corps. Ça, c'est l'idée. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez. Je vous ai donné le principe, on récolte le maximum de bien directement à Allah et on exporte le maximum de mal un par un, ou bien tu généralises si tu veux, tu fais une exclusion générale. Ou bien une exclusion, expulsion, pardon, partielle. Ça veut dire problème par problème, d'accord?
de l'enfance, par exemple. Divorce, décès, trauma, agression, viol, attouchement, d'accord? Parce que tout ça reste. Le mal, il reste dans l'âme. Donc, par la respiration, on essaye de récupérer le maximum. On retient quelques secondes, 3 secondes par exemple, 4 secondes. Après, et tu imagines que ce mal est en train de partir de ton âme. Très loin, il disparaît. Répétez ça, les gens qui ont un djinn, ils vont se manifester, bien sûr, laissez l'espace manifester. Des gens qui vont bâiller, des gens qui vont vomir. Et des gens qui vont avoir mal à la tête, vous répétez. Comme ça, d'accord? Éloignez-vous de gens. Le mieux, c'est de le faire dans une chambre fermée. Encore mieux, vous faites à côté des arbres, dans la nature. Voilà. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.